Bonjour, nous allons continuer notre programme sur la neuroanatomie en traitant aujourd'hui l'anatomie du cervelet. Alors, le cervelet, c'est une formation nerveuse qui est médiane. Elle est située dans l'étage sous-tentoriel, c'est-à-dire dans la fosse cérébrale postérieure, derrière le tronc cérébral, dont il est séparé par le quatrième ventricule. Le cervelet, il est relié au reste du névralgre par des structures nerveuses appelées les pédoncules cérébelleux. Cette formation nerveuse qui est le cervelet, elle est placée en dérivation des grandes voies du névralgre, c'est-à-dire elle est placée sur le trajet des principales voies nerveuses, sensitives et motrices, et nous allons le voir plus tard. Quel est le rôle de cette formation anatomique qui est le cervelet? Le cervelet, il intervient dans plusieurs fonctions nerveuses. Il gère la régulation des tonus musculaires, il gère la fonction de l'équilibre dans l'espace du corps et il intervient dans la coordination des mouvements dans le temps et dans l'espace. Alors, sur cette diapositive, sont représentés les objectifs pédagogiques de ce cours. Donc, au terme de ce cours, vous devez être capable de connaître la morphologie du cervelet, de préciser ses rapports avec les structures cérébrales avoisinantes et de connaître son organisation fonctionnelle, c'est-à-dire sa systématisation. Alors, nous allons commencer par étudier la configuration extérieure du cervelet. Sur le plan topographique, nous avons dit que le cervelet, c'est une formation nerveuse qui est située dans la fosse cérébrale postérieure. C'est une structure qui, à l'état normal, a une coloration grisâtre et elle a un aspect lamelleux. Il a un aspect lamelleux, c'est-à-dire il est constitué par plusieurs lamelles qui sont séparées par des sillons, comme vous le voyez sur ce schéma. Donc il y a plusieurs lamelles qui sont séparées par des dépressions à la surface du cervelet appelées sillons. Le cervelet, il est formé de trois segments. Un premier segment qui s'appelle vermis, qui est médian et étroit. Voici le vermis, c'est la partie centrale du cervelet qui a une situation médiane, centrale, et qui a la particularité d'être étroit par rapport aux deux autres segments. Les deux autres segments, ils s'appellent hémisphères cérébelleux. Et donc, ces hémisphères cérébelleux, ils sont latéraux par rapport au vermis et ils sont plus volumineux que le vermis. Alors, sur le plan mensuration, cet organe anatomique nerveux, il mesure 8 à 10 cm de droite à gauche, sur 5 à 6 cm de hauteur et sur 6 cm de profondeur. C'est-à-dire que son diamètre transversal, il mesure 8 à 10 cm. Sa hauteur, il mesure 5 à 6 cm et sa profondeur, il mesure 6 cm. Et en moyenne, il pèse 140 grammes. On lui décrit trois faces. Une face supérieure qui est inclinée en bas et en dehors. Une face inférieure qui est convexe. Et une face antérieure qui surplombe le quatrième ventricule. Le quatrième ventricule, c'est une cavité ventriculaire qui sépare le cervelet du tronc cérébral.
Alors, toujours dans ce chapitre de configuration extérieure, nous avons dit que le cervelet, il a un aspect lamelleux parce qu'il est formé par plusieurs lamelles qui sont séparées par des sillons. Et donc, ces sillons, ils vont diviser le cervelet sur le plan anatomique en plusieurs compartiments appelés des lobules. Donc, nous allons nous intéresser à la division anatomique. Donc, la division anatomique est le fait que le cervelet il est formé par plusieurs lobules qui sont délimités par des sillons. Et donc, on va voir des lobules au niveau de la face supérieure, des lobules au niveau de la face inférieure et des lobules au niveau de la face antérieure. Alors, les lobules de la face supérieure, ils sont au nombre de 5. Le premier lobule, il porte le nom de lobule de la lingula. Alors, ce lobule de la lingula, il est formé presque entièrement de vermis. Et sa partie hémisphérique, il porte le nom de frein de la lingula. Donc, chaque lobule, il a une partie vermienne et une partie hémisphérique. Le lobule de la lingula, il est en majorité formé par du vermis. Et la partie hémisphérique, qui est minoritaire, porte le nom de frein de la lingula. Donc, le frein de la lingula, il correspond à la partie hémisphérique du lobule de la lingula. Après le lobule de la lingula, on a un autre lobule qui porte le nom de lobule central. Et ce lobule central, il lui aussi formé en majorité par du vermis et il a une partie hémisphérique qui est minoritaire et qui s'appelle les ailes du lobule central. Voici le lobule central. Il est en partie formé par du vermis et minoritairement formé par des hémisphères cérébraux et des hémisphères cérébelleux, pardon, et que cette partie des hémisphères cérébelleux porte le nom de lobule de l'aile, des ailes de lobule central. Ensuite, on a un autre lobule qui porte le nom de lobule quadrilatère antérieur. Et ce lobule quadrilatère antérieur, il est formé par une partie vermienne et une partie hémisphérique. Et sa partie vermienne, il a une dénomination, il s'appelle le culmen. Donc c'est quoi le culmen? Le culmen, c'est la partie vermienne du lobule quadrilatère antérieur. Ensuite, on a le lobule quadrilatère postérieur, dont la partie vermienne porte le nom de déclive. Et ensuite, le dernier lobule, le cinquième lobule de la face supérieure, porte le nom de lobule semi-linéaire supérieur, dont la partie vermienne s'appelle folium. Donc, nous avons vu les lobules de la face supérieure. Voyons maintenant les lobules qui constituent la face inférieure du cervelet. Ils sont au nombre de 3. On a le lobule semi-linéaire inférieur, dont la partie vermienne s'appelle le tubère. Donc le tubère, il correspond à la partie vermienne du lobule semi-linéaire. Ensuite, on a un autre lobule qui s'appelle le lobule grêle. Et enfin, on a un autre lobule qui porte le nom de lobule digastrique, dont la partie vermienne s'appelle pyramide. Et donc, après les lobules de la face inférieure, voyons les lobules qui forment la face antérieure. Alors, ils sont au nombre de 2. Le premier porte le nom de lobule floculo-nodulaire. Et le deuxième lobule, il porte le nom d'amygdale cérébelleuse. Après avoir vu les différents compartiments du cervelet sur le plan anatomique, il y a une autre façon d'étudier la configuration extérieure du cervelet, c'est celle qui consiste à diviser le cervelet en plusieurs compartiments selon la fonction gérée par tel ou tel compartiment. Donc, on va s'intéresser à la division fonctionnelle du cerveau. Donc, de point de vue fonctionnel, le cerveau, il est formé par
trois lobes qui sont différents sur le plan fonctionnel et pas sur le plan anatomique. Le premier lobe, il porte le nom de lobe floculo-nodulaire ou archio-cérébellum. Nous allons voir la fonction de chaque lobe. Donc le premier lobe, c'est celui qui est formé par le lobe floculo-nodulaire, c'est-à-dire la partie antérieure du cervelet et qui porte le nom d'archio-cérébellum. Ensuite, on a un autre lobe, dit lobe antérieur ou palio-cérébellum, et qui sur le plan anatomique, il est formé par l'association de plusieurs régions anatomiques que sont la lingula, le lobe central, le culmen, la pyramide, les freins de la lingula, les ailes du lobule central, les amygdales cérébelleuses, le lobule grêle et le lobule digastrique. Et vous voyez que dans cette division fonctionnelle, le lobe antérieur sur le plan fonctionnel, dit aussi paléocérébellum, il va être formé par des parties, des régions qui font partie du lobule de la face supérieure, des lobules de la face inférieure et des lobules de la face antérieure du cervelet. Et le troisième lobe fonctionnel s'appelle le lobe fonctionnel postérieur ou néocérébellum, et qui sur le plan anatomique, il concerne l'association, il est formé par l'association du déclive, du folium, du tubère, des lobules quadrilatéraux antérieurs et postérieurs, et des lobules semi-lunaires supérieurs et inférieurs. Là aussi, dans ce lobe postérieur ou néocérébellum, nous avons des régions qui font partie de la face supérieure du cervelet, des lobules qui font partie de la face inférieure du cervelet et des lobules, et surtout donc des lobules de la face inférieure du cervelet. Donc ça, c'est la division anatomique. Donc si je récapitule la configuration extérieure du cervelet, il y a une division anatomique qui divise le cervelet en plusieurs compartiments différents sur le plan topographique, face supérieure, face inférieure, face antérieure, et puis il y a une division fonctionnelle qui consiste à diviser le cervelet en plusieurs compartiments appelés respectivement archiocérébellum, paléocérébellum et néocérébellum, et que ces régions sont différentes les unes des autres, non pas sur le plan anatomique, mais surtout sur le plan fonctionnel. Alors, nous avons, après avoir étudié la configuration extérieure du cervelet, voyons maintenant sa configuration interne. Alors, dans cette étude de configuration interne, le cervelet il est formé de trois régions. Nous avons une substance grise périphérique, au-dessous de laquelle on a une substance blanche, et au-dessous de la substance blanche, nous avons une substance grise, dite substance grise centrale. Donc voici sur ce schéma représentée la configuration interne du cervelet. De la superficie vers la profondeur, nous avons une substance grise qui est formée par des neurones. Au-dessous de laquelle, on a une substance blanche qui est formée par des faisceaux nerveux, et au-dessous de cette substance blanche, nous avons une substance grise qui est elle aussi formée par des neurones. Donc la substance grise périphérique, elle porte le nom d'écorce cérébelleuse ou cortex cérébelleux. La substance grise centrale, elle porte le nom de noyau cérébelleux, et on va le voir plus tard. Alors, avec un peu plus de détails, voyons l'écorce cérébelleuse, de quoi il est formé. L'écorce cérébelleuse ou cortex cérébelleux. Il est formé par de la substance grise. Qui dit substance grise des neurones. Ces neurones qui forment l'écorce cérébelleuse, ils sont organisés sous forme de trois couches cellulaire, c'est-à-dire de trois couches de neurones. La première couche, elle s'appelle couche moléculaire. Cette couche, elle est pauvre en cellules, c'est-à-dire elle est formée par un petit nombre de neurones.
Et les neurones qui forment cette couche moléculaire, ils sont de deux types. On a d'une part les neurones ou cellules dites étoilées, et d'autre part, on a un autre type de neurones appelé cellules à courbées. Ensuite, au-dessous de la couche moléculaire, nous avons une autre couche de neurones qui forme cette écorce cérébelleuse et qui s'appelle la couche à cellules de Purkinje, parce qu'il est formé par des cellules dites de Purkinje. Purkinje, c'est l'anatomiste qui a découvert ces cellules. C'est des neurones, donc les cellules de Purkinje, c'est des neurones qui sont spécifiques au cortex cérébelleux, c'est-à-dire on les trouve nulle part ailleurs, uniquement au niveau du cortex cérébelleux. Ces neurones de Purkinje, ce sont des cellules nerveuses effectrices ou efférentes. Pourquoi effectrices? Parce qu'ils envoient des axones qui quittent la couche moléculaire vers une autre destination. Donc, les cellules de Purkinje, leurs dendrites, ils se dirigent vers la couche moléculaire. Leur axone, il se dirige, il traverse la substance blanche du cervelet et il se dirige vers les noyaux du cervelet. La troisième couche cellulaire qui forme cette écorce cérébelleuse, il s'appelle couche des graines. Couche des graines, c'est des neurones. Il est formé par des neurones dites en grains, c'est la raison pour laquelle on l'appelle couche des graines. Et ces neurones de qui forment la couche de graines, ce sont des neurones afférentes, contrairement aux neurones qui forment la couche moyenne. Donc les neurones de la couche moyenne, c'est des neurones effectrices, efférentes. Les neurones qui forment la couche de graines, c'est des neurones qui sont afférentes, c'est-à-dire dont les axones se dirigent vers la couche moléculaire. Et entre ces trois couches moléculaires, le cortex cérébelleux ou l'écorce cérébelleuse, il est formé par d'autres types de cellules qui ne sont pas organisées, qui sont un peu plus dispersées dans le cortex cérébelleux et qui s'appellent les cellules névrocliques. Ce sont des cellules qui participent au métabolisme et à la nutrition de ces neurones qui forment les trois couches du cortex cérébelleux. C'est ainsi qu'on va, comme cellules névrogliques, on a des astrocytes, des oligodendrocytes et des microglocytes. Donc voici sur ce schéma la représentation du cortex cérébelleux. Donc le cortex cérébelleux, il est formé par trois couches. On a la couche moléculaire qui est pauvre en cellules, la couche de Purkinje qui est formée par deux types de cellules. La couche moléculaire qui est formée par deux types de cellules, les cellules étoilées et les cellules en grains. La couche de Purkinje ou couche moyenne qui est formée par des neurones appelés neurones de Purkinje qui sont des neurones effectrices. Et enfin, on a la couche des graines qui est formée par des neurones dites en grains dont les axones se dirige vers la couche moléculaire. Donc, nous avons vu la substance grise corticale, c'est-à-dire le cortex cérébelleux qui est formé par ces trois couches. Voyons maintenant la constitution de la substance blanche sous-jacente au cortex. Cette substance blanche, comme on a dit, elle est formée pas par des neurones, mais par des prolongements de neurones, c'est-à-dire des fibres nerveuses qui sont myélinisés, c'est-à-dire qui sont entourés par une gaine de myéline. Cette substance blanche, elle est formée par des fibres efférentes et des fibres afférentes. Les fibres efférentes, comme on a dit, ce ne sont autres que les axones de cellules de Purkinje qui se dirigent vers les noyaux du cervelet. Les fibres afférentes, donc, ce sont des fibres qui vont arriver au cervelet par les pédoncules cérébelleux et qui se dirige vers l'écorce ou le cortex cérébelleux. Nous avons deux types de fibres afférentes. D'une part, on a des fibres afférentes dites fibres moussues, et qui ne sont autres que des fibres afférentes qui vont d'abord arriver aux neurones en grains, puis après vers les cellules de Purkinje.
Et puis, on a des fibres afférentes dites fibres grimpantes, qui sont des fibres afférentes qui vont arriver directement aux cellules de Purkinje sans passer par la couche de graines. Donc, je récapitule concernant les fibres afférentes. Les fibres afférentes, donc, ce sont des fibres qui arrivent au cervelet par l'intermédiaire du pédoncule cérébelleux et qui vont se terminer vers l'écorce cérébelleuse. Nous avons deux types de fibres afférentes, les fibres afférentes mossues et les fibres afférentes grimpantes. Les fibres afférentes mossues, arrivent au cervelet par les pédoncules cérébelleux. Ils passent obligatoirement, ils font un relais au niveau des neurones en grain, puis ils arrivent aux cellules de Purkinje. Et puis, les fibres grimpantes, ce sont des fibres afférentes qui arrivent directement aux cellules de Purkinje sans passer par sans faire de relais au niveau des cellules en grain. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre de configuration interne du cervelet. Nous avons vu l'écorce cérébelleuse, la substance blanche cérébelleuse. Voyons maintenant les noyaux du cervelet. Les noyaux du cervelet, donc, ils sont formés de la substance grise profonde. Ils sont au nombre de chaque côté. Nous avons 4 noyaux du cervelet à droite et 4 noyaux du cervelet à gauche. Alors, ces noyaux, ils sont situés au niveau de la face antérieure du cervelet. Donc, ils sont profonds, plus particulièrement au niveau de la face antérieure du cervelet. Alors, ces 4 noyaux sont appelés respectivement le noyau du toit. Pourquoi le noyau du toit? Parce qu'il est très proche du toit du 4e ventricule. Ensuite, on a un autre noyau appelé le noyau dentelé. Et puis, les deux autres noyaux, ils s'appellent respectivement l'embolus et le globulus. Donc, 4 noyaux. Le noyau du toit, qui est près du 4e ventricule. Le noyau dentelé, l'embolus et le globulus. Et que ces 3 noyaux, ils sont situés, on les trouve au niveau de la face antérieure du cervelet. Après avoir étudié la configuration externe et la configuration interne du cervelet, voyons maintenant la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle du cervelet. Et nous allons commencer par l'étude de la systématisation de l'archéocérébellum. L'archéocérébellum, sur le plan anatomique, il est formé par le lobe floculonodulaire de la face antérieure du cervelet. Alors, cet archéocérébellum, il a des connexions avec les noyaux vestibulaires, c'est-à-dire il va en recevoir des informations par des afférences et il doit lui renvoyer des informations par des efférences. Alors, l'archéocérébellum, c'est le centre de contrôle de l'équilibration et de l'orientation du corps dans le temps et l'espace. Ces afférences, ils s'appellent les fibres vestibulo-cérébelleuses. On en a deux types. On a des fibres vestibulo-cérébelleuses directes qui prennent naissance au niveau du canal semi-circulaire de l'oreille interne et qui arrivent directement au lobe floculonodulaire ou archéocérébellum. Et de l'autre côté, nous avons des fibres vestibulo-cérébelleuses qui sont indirectes, c'est-à-dire qui naissent au niveau du canal semi-circulaire de l'oreille interne et qui arrivent au lobe floculonodulaire après avoir fait relais au niveau des noyaux vestibulaires du tronc cérébral. Et il arrive, ces fibres vestibulo-cérébelleuses, ils arrivent au niveau du lobe floculonodulaire par les pédoncules cérébelleux inférieurs. Donc ça, c'est les afférences. Les efférences, ils s'appellent les fibres cérébello-vestibulaires. Alors, c'est des fibres qui naissent au niveau de l'écorce cérébelleuse de l'archéocérébellum. Ils arrivent au noyau du toit
du cervelet. Ensuite, il gagne les pédoncules cérébelleux inférieurs et ils parviennent au noyau vestibulaire du tronc cérébral. Et puis après, ils vont se diriger vers la moelle épinière en constituant le fibre vestibulo-spinale ou vers les noyaux oculomoteurs du tronc cérébral par un faisceau appelé bandelette longitudinale postérieure. Donc je récapitule, si vous voulez, sur ce schéma. Alors sur ce schéma, nous avons la systématisation de l'archéocérébellum. Et nous avons dit que l'archéocérébellum, il correspond sur le plan anatomique au lobe floculonodulaire sur la face antérieure du cervelet. Alors sa systématisation, il est formé par des fibres afférentes et des fibres efférentes. Les fibres afférentes, elles s'appellent fibres ou faisceaux vestibulo-cérébelleux qui naissent au niveau du canon semi-circulaire et qui arrivent au cervelet selon deux modes. Soit qu'il arrive directement, c'est ce qu'on appelle le fibre vestibulo-cérébelleux direct, ou bien il arrive au niveau du lobe floculonodulaire ou l'archéocérébellum après avoir fait relais au niveau du noyau vestibulaire du tronc cérébral, c'est le fibre vestibulo-cérébelleux indirect. Ensuite, on a les efférences. Les fibres efférentes, c'est des fibres qui naissent au niveau du cortex de l'archéocérébellum. Ils passent par le noyau du toit, gagnent le pédoncule cérébelleux inférieur. Ensuite, ils se dirigent vers les noyaux vestibulaires du tronc cérébral. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le fibre cérébello-vestibulaire, parce qu'il connecte l'écorce de l'archéocérébellum au noyau vestibulaire du toit, du tronc cérébral, pardon. Et puis après, on a deux possibilités. À partir du noyau vestibulaire, soit que les faisceaux ils vont se diriger vers la moelle épinière par le faisceau vestibulo-spinal, ou bien ils se dirigent vers les noyaux oculomoteurs du tronc cérébral par un faisceau appelé bandelette longitudinale postérieure. Voyons maintenant la systématisation du paléocérébellum. Nous avons dit que l'archéocérébellum il a des connexions avec les noyaux vestibulaires. Le paléocérébellum il a des connexions avec la moelle épinière et le tronc cérébral. Nous avons dit que l'archéocérébellum il joue un rôle dans l'équilibration et l'orientation du corps. Le paléocérébellum il joue un rôle dans la régulation du tonus musculaire, c'est-à-dire il joue le rôle dans la fonction qui nous permet de contrebalancer l'effet de la pesanteur. Alors, quelles sont les afférences du paléocérébellum? Alors, les afférences du paléocérébellum, ce ne sont autres que les fibres de la sensibilité proprioceptive que nous avons vues quand on a parlé de la systématisation de la moelle épinière et de la systématisation du tronc cérébral. Donc, les afférences du paléocérébellum, ils sont formés par les fibres de la sensibilité proprioceptive, à savoir le faisceau spinocérébelleux de Flechik. Nous avons dit que c'est un faisceau qui est direct, qui va arriver au cervelet, plus particulièrement au vermis supérieur, par le pédoncule cérébelleux inférieur, et qui gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs. Donc, à côté du faisceau spinocérébelleux de Flechik, on a le faisceau spinocérébelleux de Gowers, qui, à la différence du faisceau spinocérébelleux de Flechik qui est direct, le faisceau spinocérébelleux de Gowers est un faisceau qui est croisé, c'est-à-dire que celui qui vient du côté droit du corps, il passe vers le côté gauche du paléocérébellum, et celui qui vient du côté gauche du corps, il passe vers le côté droit du paléocérébellum. C'est ce qu'on a voulu mentionner ici par le terme de croisé. Et que ce faisceau spinocérébelleux de Gowers, il arrive au vermis supérieur
par le pédoncule cérébelleux supérieur et qui gère la sensibilité profonde inconsciente, non pas du tronc et des membres inférieurs, mais plutôt la sensibilité profonde inconsciente des membres supérieurs. Voici ici la systématisation des afférences du paléocérébellum. On a le faisceau spinocérébelleux direct de Flechique qui vient de la moelle épinière et qui arrive au vermis supérieur par le pédoncule cérébelleux supérieur et qui gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs. Et de l'autre côté, nous avons le faisceau spinocérébelleux de Gowers, qui est un faisceau qui est croisé et qui arrive, comme le précédent, vers le vermis supérieur par le pédoncule cérébelleux supérieur et qui gère la fonction de la sensibilité profonde inconsciente des membres supérieurs. Nous avons vu quelles sont les voies afférentes du paléocérébellum. Voyons maintenant ces efférences. Alors, les efférences, ils sont formés par trois types de faisceaux. Le premier faisceau, il s'appelle faisceau cérébello-rubrique. C'est un faisceau qui prend naissance au niveau des noyaux du cervelet, l'embolus et le globulus, qui sont des noyaux du cervelet. Ils parviennent au noyau rouge du tronc cérébral. Après, il se termine au niveau de la moelle épinière. Ensuite, le deuxième faisceau, il porte le nom de faisceau cérébello-vestibulaire, qui lui aussi prend naissance au niveau de l'embolus et globulus, qui sont des noyaux du cervelet. Il gagne le noyau vestibulaire du tronc cérébral et se termine au niveau de la moelle épinière. Et le troisième faisceau, il porte le nom de faisceau cérébello-olivaire, qui est un faisceau qui naît aussi au niveau du noyau du cervelet. Il passe par l'olive bulbaire, qui est un noyau situé sur la face latérale du bulbe rachidien, si vous vous rappelez, du tronc cérébral, et ce faisceau cérébello-olivaire, il se termine au niveau de la moelle épinière. Donc les efférences, ils sont formés par le faisceau cérébello-rubrique qui relie le noyau du cervelet au noyau rouge et à la moelle épinière, le faisceau cérébello-vestibulaire qui naît les noyaux du cervelet au noyau vestibulaire et le faisceau cérébello-olivaire qui unit le cervelet à l'olive bulbaire du tronc cérébral. Donc sur ce schéma sont représentés les trois faisceau efférent du paléocérébellum. Voici le faisceau cérébello-rubrique qui relie l'embolus globulus au noyau rouge du tronc cérébral. Le faisceau cérébello-vestibulaire qui unit les noyaux du cervelet au noyau vestibulaire du tronc cérébral. Et le faisceau cérébello-olivaire qui unit les noyaux vestibulaires à l'olive bulbaire du tronc cérébral. Et ces trois faisceaux, le cérébello-rubrique, le cérébello-vestibulaire et le cérébello-olivaire, ils se dirigent et se terminent les trois au niveau de la moelle épinière. Alors, après avoir étudié la systématisation de l'archéocérébellum et du néocérébellum, voyons maintenant la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle du néocérébellum. Alors, le néocérébellum, il a des connexions corticales cérébrales, c'est-à-dire il a des connexions essentiellement avec le cortex cérébral. Cette partie du cervelet, il a comme fonction son intervention dans le contrôle de la motricité volontaire. Alors, sa systématisation, elle est formée par des voies afférentes et des voies efférentes. Les afférences, elles sont formées et constituées par ce qu'on appelle le faisceau cortico-ponto-cérébelleux. C'est un faisceau qui prend naissance au niveau du cortex cérébral, temporal, frontal, pariétal et occipital. Ensuite,
ce faisceau, il passe par les noyaux du pont, c'est-à-dire ces noyaux nerveux qui sont situés au niveau de la protubérance annulaire, c'est-à-dire la partie moyenne du tronc cérébral. Ensuite, il se dirige vers les pédoncules cérébelleux moyens et se termine vers le cortex cérébelleux. Ça, c'est les afférences. Les efférences prennent naissance au niveau de l'écorce cérébelleux. Ensuite, ils arrivent au noyau dentelé du cervelet. Puis après, ils se dirigent vers le pédoncule cérébelleux moyen et se dirigent vers le noyau rouge du tronc cérébral, le thalamus, et se termine vers le cortex cérébral. C'est pour cette raison que ces efférences du cervelet, ils portent le nom de noyau, de faisceau, pardon, dentato-rubro-thalamique, c'est-à-dire c'est un faisceau qui, après avoir pris naissance au niveau de l'écorce cérébelleuse, il arrive au noyau dentelé du cervelet, ensuite il passe par le noyau rouge du tronc cérébral, ensuite par le thalamus, avant de terminer son trajet vers l'écorce cérébrale.